Et nous sommes encore très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour le dernier numéro de la semaine sur votre télévision, la télévision du Burkina Faso, avec toute la team, mesdames et messieurs. Et merci également à vous qui avez pris du temps, pris du plaisir donc à nous suivre donc depuis lundi jusqu'à ce jour. Nous allons encore vous servir le meilleur du divertissement et surtout de l'information en direct sur vos antennes. Merci surtout de nous rester fidèles et de vous accrocher parce que ça va tourner. Alors, Zedera, bonjour, comment tu vas, mon frère? Bonjour, famille, bienvenue. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Toi-même, tu sais, ici, c'est l'apéro. Malgré le coronavirus, tu veux te mettre bien de chez les biens. Alors, cousin, toi-même, tu connais la destination, elle n'est pas manquée. Tu testes, tu dis, papi, qui fait venir l'apéro. Oh là là. Merci beaucoup, Zediara. À la suite de Mika, ce matin, tu arrives avec la Mac. La vraie Mac. D'accord. Attention. Alors, c'est une très belle chemise. Merci. Elle est de qui, cette chemise? Ben, toi-même, tu sais, c'est du Prince de City. De City. Faut pas test. Faut pas test. Pas c'est une très belle chemise. Merci. Et merci de continuer à valoriser le savoir-faire de nos stylistes. Merci. Et je pense également que c'est ici le lieu pour nous de saluer également le sursaut d'orgueil des artistes qui, en tout cas, sont montés au créneau pour offrir aux mélomanes burkinabés des compositions, des productions, donc allant dans le sens de la satisfaction. Contre ce coronavirus. Tout à l'heure, donc, au cours de cette émission, nous allons encore vous offrir, vous servir encore un message de sensibilisation qui est porté aujourd'hui par deux artistes qui vont nous entretenir dans un court instant. Mais avant, on va également avec toi découvrir le sujet que tu vas aborder pour nous dans la rubrique L'eau et la cité, puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Même si c'est du plus, laisse-moi te dire que tu as une très belle tunique. Merci beaucoup, Général. C'est du lourd. Merci beaucoup. Permets-moi de faire un big up à notre grand frère dans MC. Voilà, c'est monsieur qui me permet d'être encore plus beau. Ce matin. Pendant qu'on y pense, il nous avait promis des tenues ici. Bon, on ne parle pas des promesses, on parle de ce qui est acquis. Non. Je ne l'ai pas acheté, moi. Basé MC, il est généreux. Ah, oui. Et puis Basé MC, c'est moi, je suis le mannequin de Basé MC. Ah oui. Pour votre gouverne, je vous informe que je suis le mannequin de Basé MC. Comme certains sont les mannequins de Prince de City, moi, je suis le mannequin de tous les créateurs, de tous les stylistes du Burkina Faso. Et même ceux qui sont à l'extérieur de notre pays, le Burkina Faso. Attention, c'est je suis habillé à l'échelle internationale. Ah oui, bien sûr. Pour votre gouverne. Mais tu n'as fait marre à cette personne. Je suis en train de créer, tu vas être mon mannequin. Non, ça dépend de la qualité de ce que tu as proposé. Mais tu vas voir ça bientôt. D'accord, j'espère. Voilà, parce que là, c'est pas parce qu'on va être mannequin qu'on va porter n'importe quoi. Attention, souffrez-en, s'il vous plaît. Voilà, ce sont des tenues comme ça qu'elles devraient porter en temps de coronavirus. Ce sont des tenues, ce coton bio, ça retient tout ce qu'il y a comme particules, tout ce qu'il y a comme virus. Dès que ça vient, ça se bloque. Parce que c'est du coq au donda. Attention, c'est mixé avec le façon d'Afani. C'est du pain qui rafraîchit la peau. Voilà, ça entretient la peau contre toute maladie de peau. Quand vous portez ça, vous êtes bien dans votre peau. Basé MT, c'est une recommandation. Dans la pub, après, je passe prendre notre chemise. Mais DCM, j'ai l'occasion de lui dire très souvent qu'il est bien habillé aussi. Donc, logiquement, j'ai dû avoir une facture aussi. C'est ce qu'on appelle coco stratégie. Un coco dans son coco d'onda, ça ne peut que coco d'onda teaser. Stratégiquement. Stratégiquement, voilà. Merci beaucoup, Sandrine Corraté. Alors, Zedera, on parle de quoi dans l'œil de la cité aujourd'hui? Alors, il faut dire que l'œil de la cité dans sa rubrique d'aujourd'hui également va faire un zoom sur les machines à sous, Jackie, qui aujourd'hui constituent le nouveau phénomène des quartiers périphériques, il faut le dire. D'accord. On observe effectivement dans les zones périphériques que quelques petits attroupements sont là, dont le centre d'intérêt est une petite machine. Et malheureusement, il faut dire effectivement, c'est une activité qui n'est pas justement sans conséquence. Alors, cela est question pour nous de la cité aujourd'hui de parler, de discuter sur ces aspects et également interpeller les uns les autres par rapport donc, aux dispositions légales qu'il y a pour exercer justement ce métier, mais également et, attirer également l'attention de ces autorités-là pour qu'ils aient le regard, qu'ils ouvrent le bon oeil justement parce qu'effectivement, on voit des adolescents dans ces lieux-là et ce n'est pas du tout intéressant. Il y a des gens qui prennent ces machines également sans autorisation justement. Je pense qu'il est important pour nous de revenir sur ces questions-là, Jacqueline. D'accord. Merci beaucoup, Zidiara. Et tout à l'heure, on va développer tout ça. Mais au passage, on va dire également bravo aux forces de défense et de sécurité qui ce matin, en tout cas, ou depuis hier, sont en train donc d'être
sur le terrain, ouais, pour pouvoir donc ramener les gens à l'ordre, toutes ces personnes-là qui vont contre les consignes édictées par le ministère de la Santé dans le cadre donc de la lutte ou de l'éradication contre le coronavirus. Écoutez les gars, on vous dit de rester chez vous. Restez chez vous. Le confinement, c'est pour tout le monde. Restez chez vous en attendant que des solutions soient trouvées. On n'a pas d'autre façon de vous dire, c'est faut rester chez vous et lavez-vous les mains avec du savon. Désinfectez très souvent toutes les surfaces que vous devez donc toucher. Bien, c'est important. Alors, on va en parler tout au long de cette émission parce que c'est la période, il faut que nous sensibilisions. Il faut que nous passions le message. Il faut que les uns et les autres comprennent que le danger, il est vraiment là. Mais on va garder le calme et puis on va gérer. Ça, c'est sûr. Alors, Sandrine Kobaté, bonjour à toi et bonne journée également de vendredi. Nous sommes à la fin de la semaine, c'est le dernier numéro de la semaine. Eh bien, Sandrine Kobaté, nous allons arracher ton bonjour et puis passer à autre chose. Ça marche. Bonjour, Jackie, et bien sûr, bonjour à vous, téléspectateurs. Je suis super heureuse, hein, ça c'est comme d'habitude, que d'être là, partager de bons moments avec vous. C'est vrai, il y a de nouveaux cas, mais comme je le dis toujours, il y a toujours une lueur d'espoir. Et on parle aussi de tests médicamenteux, mais il ne faudrait surtout pas que cela nous fasse baisser la garde, ok? On continue de respecter les consignes sanitaires, on se lave les mains et tout ce qu'on doit faire, prendre comme précaution, ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire des tests pour trouver le remède qu'on doit baisser la garde. On continue le combat jusqu'à voir la finale, jusqu'à voir la victoire, donc on continue. Restez connectés et puis voilà. Vous connaissez la suite. Le reste, on s'en charge. Il y a lieu de rappeler qu'il est très important d'observer ce conseil. Exactement. On va le dire sans cesse, jusqu'à ce que nous puissions trouver le remède. Le bout du tunnel n'est plus loin. Gardons patience, mais restons sur nos gardes. C'est vrai, je le dis parce que il y a des gens qui le disaient en plaisantant. Ouf, enfin, on pourra moins se laver les mains. Non. Peut-être une plaisanterie, mais il y a des gens qui sont vraiment faibles d'esprit, qui peuvent prendre ça à la légère, et puis finalement, on baisse la garde. Non, on continue de plus belle, comme tu l'as dit, jusqu'à voir la finale. Alors, se laver les mains, on n'a pas besoin de vous rappeler ça, parce que à temps normal, vous devez vous laver les mains. Tout à fait. Ça fait partie du savoir-vivre. Bonjour Adèle. Bonjour de vendredi Adèle. Bonjour. Avec toi, nous allons aussi arracher ton bonjour et puis peut-être aussi découvrir le thème du jour. Mais également, avoir une petite idée de ce que tu vas aborder pour nous dans sa buzz. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et aussi profiter de arracher quelques beaux souris. Oh bon, c'est pas trop important. Ce n'est pas important pour vous, mais c'est important pour les téléspectateurs et pour Ziara sur le plateau. Alors, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs, apéro du mois de mars, numéro 19. Je suis très heureuse d'être là. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, Jacqueline, c'est sa buzz, c'est vendredi et vous aurez sa buzz. Sa buzz, bah, coronavirus oblige, on va toujours rester dans la sensibilisation. D'accord. Donc, ça sera tout à l'heure dans sa buzz. Okay. Alors, pour le thème du jour, je m'embête de ne pas vous poser la question, ce sera une question pour vous aujourd'hui. Quel est le meilleur compliment que vous n'avez jamais reçu? Quel est le meilleur compliment que vous n'avez jamais reçu? Ce sera tout à l'heure, quand il sera 12h, au 25 31 83 53. Alors, Adèle, avant que les téléspectateurs ne réagissent, moi je vais tout de suite te dire le meilleur compliment que j'ai jamais reçu. En fait, que j'ai jamais reçu et que j'ai reçu une fois, je sais pas. Attends, je comprends pas. Que j'ai jamais reçu le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait. Le plus beau compliment que tu as reçu, en d'autres termes. Voilà. Voilà. Mais c'est du français. C'est le français. Explique-moi là. Moi, je ne comprends pas français. Explique-moi un peu. Dans toute ta vie, là, quelqu'un t'a dit un compliment un jour qui t'a touché le plus beau. Et que je garde ça au fond de moi. Et que tu gardes au fond de toi. C'est lequel? Déjà, je ne demande pas ton avis. Alors, la question est adressée aux téléspectateurs. Jackie, tu peux garder pour ça. Ça pour toi. Je voulais dire, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce qu'il va commencer à nous citer une longue liste. C'est une seule phrase. Oui, moi je suis curieuse. On m'a dit une fois, oh, Jackie, tu es très beau. Voilà, c'est ça qui est le narcissisme. Mon ami, s'il n'y a personne pour te dire que tu es joli, de là, ton miroir chaque matin, je te dis que tu es le plus beau. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Pardon? Parce que très souvent, beaucoup de personnes sont en train de mourir. Ils se meurent au quotidien. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des gens autour d'eux qui parlent d'eux. Qui parlent de tout ce qui est positif. Alors, s'il n'y a personne, regardez-vous au miroir.
chaque matin. Dites-vous que je suis le plus beau ou je suis la plus belle. Et c'est tout. Si ça peut t'apporter un bonheur, eh bien, mon frère, ma soeur, sois heureux. Parce que d'ailleurs, on ne peut même pas plaire à tout le monde. Jacques, l'essentiel, c'est de se connaître. Ah ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu te regardes dans le miroir ou pas, au fond de toi, tu sais qui tu es. Mais le miroir, c'est permet de savoir qui tu es. Oui, non, mais le problème, mais c'est au fond de toi. Oui, au fond de toi, c'est-à-dire le bruit. C'est-à-dire, tu peux être physiquement beau ou belle et intérieurement mauvais. Mais quand tu te regardes au miroir, tu sais que tu es mauvais. Oui, non, il y a d'autres qui se mentent à eux-mêmes. Oui. Mais le miroir le rappelle. Je dis, tu réfléchis toi-même, tu sais comment tu es au fond de toi, c'est le plus important, la beauté physique, c'est-à-dire, on s'en fout de ça. Ça, c'est juste pour rigoler. Moi, je pense que quand on dit se regarder au miroir, ce n'est pas seulement le physique que le miroir nous renvoie, ça fait face à toi-même, à ce que tu es à l'intérieur et aussi ce que tu es. Le miroir, c'est juste, mais quand on dit se regarder dans le miroir, moi, je comprends ça dans le sens que tu te regardes, tu sais que tu es mauvais au fond de toi, tu ne peux pas mentir aux autres. Voilà, tu ne peux pas te cacher ça, tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas te cacher. Donc, se regarder. Merci d'avoir compris. Exactement, c'est ça. Non, je l'avais compris. Mais de la manière dont tu parlais, j'avais compris ça là. Mais de la manière dont tu parles, je suis beau. Non, ça, c'est pour rigoler. Oui, justement, c'était pour aller dans ce pas. Sinon, je sais que se regarder en face, se regarder dans le miroir, c'est s'affronter soi-même et se faire passer. Avec les problèmes, c'est réalité. Beaucoup se mentent. Non, beaucoup se mentent. Psychologiquement, les gars, bon, ça ne fera pas l'objet d'un débat. Oui, mais ça ne fera pas l'objet d'un débat. Merci beaucoup pour vos différents avis. Et bien voilà, ce qui est réel et puis ce qui est vrai, c'est coronavirus. Il faut faire les consignes sanitaires, il faut respecter tout. Et voici donc les artistes qui nous apportent le message ce matin. C'est Ivan de Dieu, c'est Barça le 10 qui nous rejoint ici sur cette scène. Et puis ils vont respecter le consigne. Vous mettez à 1 mètre parce que là, d'ici là, qu'on nous attache ici pour dire que vous n'avez pas respecté le 1 mètre. Voilà. Alors c'est bon, si c'est bon pour la région, on va y aller. On découvre ce message de deux artistes ce matin pour votre bonheur sur la télé à l'apéro du jeûne. Ya wa
Bravo. Je parle avec une personne, c'est avec Ivan ou c'est avec Barça. Alors, bonjour, comment ça va? Salut. Alors, bien, c'est un très beau message que vous véhiculez aujourd'hui à travers donc cette collaboration. Alors, c'est une chanson de Ivan ou c'est une chanson de Barça ou bien c'est ensemble que vous vous êtes mis pour donc faire cette production? C'est une chanson juste pour sensibiliser, donc le message est passé en français et en langue. En français et en langue. Voilà, Ivan passe le message en langue. D'accord. Je passe le message en français. Et tu passes le message en français. Yeah. Alors, on va résumer tout ça. Vous allez regarder cette caméra et nous dire exactement quel est votre message ce matin. Le message, c'est on a tous le même but. Mm-hmm. Et je me dis que nous sommes là tous pour une cause. Mm-hmm. On lutte actuellement contre le coronavirus, le Covid-19. D'accord. Alors, donc, moi, pour nous, mm-hmm. les artistes. D'accord. Je pense qu'il est bien de sensibiliser nos femmes mm-hmm. et puis un peu la population. Mm-hmm. Donc, les consignes sont toujours données. Mm-hmm. Bien se laver les mains et du gel de savon. D'accord. Et tu mets ta nuit dans le coude. Mm-hmm. D'accord. Et puis si tu as un mal respiratoire ou difficulté, quelque mm-hmm. chose comme ça, tu as une narine coule. D'accord. Tu as la toux et puis un peu de mal de tête. Mm-hmm. Tu peux contacter le 35-35, il est ouvert 5 jours mm-hmm. sur 5. 5 jours 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Yes, sir. Merci beaucoup, Ivan. Alors, avec toi, Amouré également. Approche, viens toi, mets-toi. On va respecter les 1 mètre, s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Ivan, oui. Voilà, coronavirus, ça va, mm-hmm. il y a pas mal de gens qui ont été mis en place, mais nous, on a mis en place. On a mis en place, 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 on a mis en place. D'accord. Merci. Merci beaucoup les gars. On va les applaudir, la team, s'il vous plaît. Merci pour le très beau message. Merci. Et on va se retrouver, Inch'Allah, très bientôt pour encore plus parler de ce coronavirus. Et bien sûr, ça sera au passé parce que je suis convaincu que le corps médical est en train de travailler en ce moment pour nous permettre donc de trouver le remède contre ce fléau, contre ce virus-là qui est en train donc d'attrister le monde entier. Merci beaucoup la team. Nous allons à présent, sans plus tarder, inviter notre personnalité du jour, celui-là qui nous rejoint sur ce plateau. Et comme nous l'avons annoncé, c'est bien un psychologue. Hier, on en parlait. Ah. Il est psychologue communicateur. Ah. Il est consultant pour la Croix-Rouge et aussi pour l'Organisation internationale de la migration. Docteur à l'université donc de Ouagadougou. Il enseigne justement là-bas à l'IAM, à l'Académie de police, à l'ENAM. Il est marié, père de 4 enfants. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ce monsieur, on avait vraiment besoin de lui sur ce plateau. Et surtout dans ce contexte. Dans ce contexte. Alors voici donc docteur Bia Ismaël Koussé qui nous rejoint maintenant. On va l'applaudir s'il vous plaît, l'actif. Ah. Merci docteur. On en a parlé hier et puis comme par hasard, vous avez répondu présent. Ça, c'est Dieu qui vous a envoyé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. C'est une situation que beaucoup de personnes traversent et vivent sérieusement face donc à cette pandémie du coronavirus. Docteur Bia Ismaël Koussé, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple burkinabé qui est actuellement effrayé. Effrayé, vraiment effrayé. Voilà. Alors, voici donc pour vous les membres de la team Zidiara qui est en face de vous. Adel Ramba qui est juste à côté de vous et Sandrine Konaté qui est à côté de Zidiara. Voilà. Donc, l'équipe donc présentée, nous allons pouvoir y aller. Docteur Bia Ismaël Koussé, est-ce que vous pouvez mieux vous présenter? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ok. Ben, merci beaucoup de me donner la parole, mais en fait, je pense que je représente aussi la communauté des psychologues. D'accord. Parce que depuis le début de cette épidémie, je ne pense pas que jusqu'à là, on a fait appel aux psychologues parce que quand même, nous vivons un état généralisé de psychose, mm-hmm. de peur et de panique. Mm-hmm. Donc, je veux juste rectifier parce que, bon, on m'appelle docteur, mais en réalité, je ne suis pas docteur, mm-hmm. je suis doctorant parce que je suis en train de préparer. D'accord. Voilà mon doctorat. Donc, alors, on est allé trop vite alors. Voilà. Donc, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà. L'honnêteté intellectuelle veut que vous ne vous accaparez pas d'un titre que vous n'avez pas. Que vous n'avez pas. Voilà. Ça, c'est donc, très important de préciser tout ça. Voilà. D'accord. Sinon, en fait, moi, je suis psychologue, mais j'ai le titre de maître.
en psychologie, parce que au Burkina, avec ce titre, ça suffit pour exercer. D'accord. En fait, j'ai fait une licence en psychologie à l'université de Ouagadougou, mm-hmm. une maîtrise aussi à l'université, un master. D'accord. Et puis après, je suis allé au Canada où j'ai exercé beaucoup plus en professionnel. Mm-hmm. Là-bas aussi, j'ai fait un 2SS. D'accord. Voilà. Donc, je suis revenu actuellement. Je suis un praticien, j'ai mon cabinet de psychologie, mais je suis consultant et formateur. Donc actuellement, je suis consultant pour la Croix-Rouge et aussi pour l'Organisation internationale de la migration dans le cadre d'un projet de migrants qui s'appelle le projet Amira. D'accord. Voilà, donc je suis marié, père de quatre enfants. Quatre enfants. Voilà, qui sont actuellement confinés à la maison. D'accord. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Quatre enfants, garçon, fille. J'ai un garçon et puis trois filles. Un garçon et puis trois filles. Filles. Alors, donc très bientôt, vous allez recevoir beaucoup de dots, docteur. Puis voilà, moi je pense que nos enfants feront partie de ceux qui viendront vous apporter la dot. Voilà, ouais. Ça, moi c'est clair parce qu'on sent que ces enfants sont bien préparés psychologiquement parlant, pour accueillir psychologiquement parlant. Les différents pointeurs. Mais, juste pour vous dire que actuellement quand vous avez des filles, c'est un trésor parce qu'aujourd'hui, bon, on voit que les filles s'occupent mieux des parents. Des parents. Voilà. Bon, dans vos vieux jours là, la fille pense à son papa ou à sa maman. Les garçons comme les étudiants. Voilà, lui n'a pas le temps parce qu'il doit gérer sa femme, sa belle famille, tout ça là. Donc vous avez le jackpot, docteur. Voilà, notre espoir c'est sur les filles. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas également que les filles également peuvent vous faire vivre tout ce qu'il convient d'appeler cauchemar par moment, surtout quand elles commencent à atteindre la majorité. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas moi qui vous l'appelle. L'adolescence, la préadolescence et l'adolescence. Voilà, donc c'est pas simple, docteur. Oui. Mais Zier est très proche de sa maman, donc ça ne risque pas d'arriver. Là, je pense que c'est une question d'éducation. D'accord. Et j'ai fait plusieurs émissions sur ça, d'accord, sur l'éducation des enfants, sur l'attitude des parents, comment gérer vos enfants, surtout quand ils rentrent dans la période de l'adolescence. Là. Voilà, j'avais fait des émissions sur ça, même je pense sur ce plateau-là, voilà, RTB Matin. D'accord. Voilà, et puis même dans les radios de la place. Okay. Donc je pense que bon. Pour les parents qui sont intéressés aussi, ils peuvent m'approcher après pour tout avoir des conseils. Voilà. Alors, docteur, vous êtes né où? Bon, moi, je suis burkinabé à 100%. Parce que j'ai tout fait au Burkina. Je suis né à Bobo Dioulasso. En fait, je suis Samoa. Moi, je suis de Toulon. Mais pourquoi en fait? Non, bon, c'est non, pour que la musique. Il est à côté de sa chef. C'est pour que la musique, on va faire attention parce que comme il ne savait pas qui je suis, je les préviens. Voilà. Alors, voilà. Vous êtes un cousin à M. Drabo. Voilà, c'est mon frère. C'est mon frère. Je suis Drabo même d'origine. Drabo d'origine. Voilà, je suis Drabo. Alors, comment cela s'explique que vous puissiez vous appeler Koussé Drabo ou Drabo Koussé? Je comprends en fait, pas. Pourquoi moi, les deux? J'essaie de récupérer mes origines Drabo parce que, en fait, mes grands-parents, dans notre village, en fait, il n'y a pas de Koussé. Il y a un village voisin où mes grands-parents ont vécu chez leurs oncles maternels. D'accord. En les enrôlant dans l'armée, c'est dans une famille Koussé. Donc ils ont pris le nom Koussé. Et le nom Koussé a suivi. D'accord. Donc il y a certains de nos oncles qui ont tenté de rattraper. Donc il y en a qui sont Drabo même dans la famille. Il y en a qui sont Koussé. Donc moi je voulais rattraper mes origines Drabo. Donc c'est pour ça que je suis revenu à Koussé Drabo collé. Parce que je ne veux pas aussi enlever Koussé là parce que c'est une partie de mon histoire. D'accord. Voilà, donc ce qui explique. Alors, sinon, j'ai grandi à Bobo, j'ai fait mon école primaire là-bas, puis j'ai fait mon université, j'ai fait le lycée ici, j'ai fait le lycée général, le lycée Bogodogo, et puis après je suis arrivé à l'université de Ouagadougou, j'ai fait toutes mes études, je peux dire ma base d'études en psychologie, c'est à l'université de Ouagadougou. D'accord. Et j'ai fait aussi un 2SS en communication, ça aussi à l'université de Ouagadougou. Je peux dire que c'est l'université de Ouagadougou qui m'a formé. Donc d'accord. Moi, je suis un pur produit de l'éducation du système éducatif burkinabé. Ouais. Et je suis très fier de ça. D'accord. Et je profite en même temps d'enseigner un coucou à mes enseignants, vraiment qui m'ont bien formé. D'accord. Donc si je suis là ce matin, c'est en partie grâce à eux. Oui. Ils vous ont bien formé parce que tout simplement, vous êtes allé à l'extérieur, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez comme outil, en tout cas, vous a permis de pouvoir vous faire respecter là. Bien sûr. Effectivement, c'est arrivé au Canada que je me suis rendu compte que c'est une fierté d'être un burkinabé, mais qu'en réalité, on est déjà doté. Parce que quand moi je suis arrivé très vite, j'ai eu un contrat comme auxiliaire d'enseignement, un professeur qui m'a recruté comme ça. Et pendant que j'étais étudiant, j'avais un salaire d'auxiliaire d'enseignement. Ça, ça me permettait vraiment d'être à l'aise. Mais c'était vu mon profil, de tout ce que j'avais fait,
ici, mes études, l'excellence de mes notes, etc. Parce que c'est ça, à ma première année même, là-bas, j'ai eu une bourse d'excellence. D'accord. Juste pour la qualité de mon dossier. Bravo. Voilà, j'ai eu une bourse de 5 000 $. Donc, bon. Ça montrait que d'où je viens, vraiment, c'est... Qui va au premier, parce que nous, on résonne en CFA. Donc, ouais, 5 000 $, il faut le multiplier par 450. 2 millions et 4 millions. Voilà, voilà. Donc, 3 millions. Voilà, j'avais une bourse comme ça, juste pour l'excellence de mon dossier. Voilà, donc ça montre que ben, d'où on vient, comme je dis, moi je suis fier, j'ai toujours été fier d'être burkinabé et ça je le réclame. Voilà, et la preuve c'est que bon, j'avais la possibilité de rester au Canada, de me naturaliser. J'ai refusé, je veux avoir mon passeport burkinabé. C'est important. Oui, c'est très important. Alors, vrai patriote que vous êtes, docteur, on va peut-être vous demander qu'est-ce que vous a entraîné à embrasser donc cette filière qu'est la psychologie. Bon, pourquoi? En fait, il y a une raison. Pour moi, c'était une seule raison. En fait, moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Donc, j'avais voulu faire la médecine. Donc, parce que j'ai fait un bac D, et quand on est arrivé à l'université, moi, je vais demander la médecine d'avoir comme premier choix. On m'a orienté en CBBJ à l'époque. Biologie, biologie, biologie. Voilà, exact. Donc, je suis allé, je n'ai pas fait une année parce que ça ne me plaisait pas, ce n'est pas ce que je voulais. Parce que j'ai dit, ok, si c'est ça, je vais me réorienter vers une discipline où encore l'humain est toujours au centre. Donc, pourtant, mon choix a basculé. En fait, quand je voulais faire médecine, je basculais entre médecine et psychologie. Donc, j'ai dit, bon, autant saisir l'occasion. Donc, l'année qui a suivi, j'ai déposé, j'ai demandé un transfert en psychologie. D'accord. Et j'ai été accepté. Ok. Voilà. Alors, pour le citoyen lambda que nous sommes, pour celui-là qui nous suit en ce moment et qui entend très souvent parler de votre métier, qui parle souvent de ce que vous faites comme travail et qui souvent même se voit être en train d'être recommandé à aller pour les services de psychologue que vous êtes. Alors, à ce dernier-là, qu'est-ce que vous pouvez dire, donner comme définition exacte de la psychologie? C'est quoi la psychologie? Bah, la psychologie, en fait, la définition de la psychologie a évolué. Parce qu'avant, la psychologie était considérée comme la science qui étudiait l'âme, d'accord, l'esprit. Okay. Voilà. Mais il faut reconnaître que cette définition, elle n'est pas objective, elle n'est pas opérationnalisable. Donc, vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, le courant nord-américain, les anglo-saxons, ont trouvé qu'il faut donner une direction plus objective à la psychologie parce que ça pourrait servir à la population. D'accord. Donc, on a pris une définition scientifique qui est connue, bon, qui est beaucoup acceptée aujourd'hui par la communauté des psychologues. C'est que la psychologie se définit comme l'étude scientifique des comportements et des processus mentaux. L'étude scientifique des comportements et des processus mentaux. Et des processus mentaux. Et les comportements et processus mentaux qui peuvent être normaux ou anormaux. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que le comportement, en fait? Simplement, c'est que le comportement, c'est ce qui est observable, ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable. Voilà. Le comportement, je peux dire tout de suite actuellement, je constate que nous sommes assis et que toi, tu es debout. C'est objectif. C'est vrai, c'est réel. Mais est-ce normal ou anormal? Ça, on ne peut pas donner la psychologie. Voilà. Si on disait que... voilà, c'est ça. Si on disait que... la règle veut qu'autour de cette table, on soit assis et que toi tu es debout. Nous, en tant que psychologue, on dit ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que lui, il n'est pas censé être debout. Il y a un mauvais bouton. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc il n'est pas normal. Non, mais là, quand on dit il n'est pas normal, c'est ça, il dit même le normal et la normale, comme on dit le normal et le pathologique en psychologie, là, il faut faire très attention. C'est des lignes très, très. Parfois, je veux dire, c'est le lien qu'on peut franchir d'un côté ou d'un autre. C'est pour cela, au niveau de la psychologie scientifique aujourd'hui, il y a des critères clairs. Okay. Par exemple, quand je prends le cas des maladies, quand on parle des maladies mentales, il y a des classifications claires. Il y a des références sur lesquelles tout le monde doit s'entendre. Et la communauté des psychologues, la communauté des psychiatres s'entendent sur ça. Il y a des documents à l'appui. Okay. Donc, ça veut dire que les psychologues et les psychiatres ont comme ce que les médecins ont un vidal, c'est-à-dire le gros document, nous on appelle le DSM. Le dictionnaire en fait. Voilà, un dictionnaire des troubles. Et il a sa sixième version, je crois, actuellement. Il y a eu la cinquième version révisée. Donc, je pense qu'on est en train de tendre vers la sixième version. Et c'est sur ça que les gens peuvent
En fait, il faut s'établir pour pouvoir parler de maladies, de troubles, etc. Pour ne pas tomber, je veux dire, dans le truc qui ne concerne pas vraiment l'objet d'étude de la psychologie. Okay. Avant, docteur, d'aller dans le but réel de votre présence sur ce plateau, oui. Je m'en vais d'abord vous poser une petite préoccupation. Elle ne vient pas de moi. Et vient des personnes que nous côtoyons au quotidien. Mmh. Alors, on a très souvent cette habitude à confondre le psychologue au psychiatre. Okay. Psychiatre. 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 Et il va bien prendre ça. Voilà. En fait, je pense qu'à ce niveau aussi, effectivement, il y a des termes. Les dénominations, c'est récent. Mmh. Vous avez le psychologue, d'accord. Vous avez le psychiatre. Psychiatre. Voilà, le psychiatre. Vous avez le psychanalyste. On voyage beaucoup, n'arrive pas à prononcer. Voilà. Voilà, vous avez, comme je dis, vous avez le psychologue, d'accord. Vous avez le psychiatre, okay. Vous avez le psychanalyste, oui. Vous avez le psychothérapeute. Exactement. Donc c'est ça vrai. Fait quatre catégories mmh. qu'il faut vraiment distinguer. Tout mmh. à fait. Je commence par le psychologue que je connais, que je suis. Mmh. Le psychologue, en fait, c'est celui qui a fait des études en psychologie. Mm-hmm. Et normalement, dans chaque pays, il y a un ordre de psychologue. D'accord. Et c'est l'ordre qui est censé réglementer l'activité et l'exercice de la profession du psychologue. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que tout psychologue, normalement, doit être immatriculé à cet ordre-là. Mm-hmm. C'est comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, mm-hmm. etc. Au Burkina Faso, nous sommes en construction. Ça veut dire que l'ordre n'existe pas, mm-hmm. mais il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait. On tend vers l'ordre. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le psychologue. Et le psychologue, lui, il utilise les outils, les instruments que la psychologie met à sa disposition pour intervenir auprès des populations cibles. Mm-hmm. Ça veut dire c'est quoi? C'est l'entretien, ça veut dire que on peut les échanges, le dialogue, exact, mm-hmm. c'est l'observation, d'accord. C'est les tests psychométriques, d'accord. Ça veut dire les tests, dans les tests là, c'est vraiment très varié, on en a beaucoup aujourd'hui, mm-hmm. et c'est des tests standardisés, ça veut dire des tests reconnus par la communauté des psychologues, comme quoi c'est des tests validés. D'accord. Mm-hmm. Voilà, donc là-dedans, vous avez des tests de personnalité, des tests d'intelligence, des tests de mémoire, etc. Mm-hmm. Il y a beaucoup, ça dépend de ce que je veux. Quelqu'un peut venir me voir, il a des problèmes de mémoire, je dis, ok, il y a un test qui mesure ça, je veux voir est-ce que la personne a une mémoire défaillante ou pas. Le test, voilà, le Sudoku, ça, c'est pas des tests standardisés. Non. C'est, en fait, il y a aussi une grande famille de tests sous forme de jeux que des gens ont fait, mm-hmm. mais qui ne sont pas validés par la communauté des psychologues. Il faut faire attention. Okay. Même les plaisanteurs. Oui, même les tests psychotechniques que je vois au niveau des concours, etc., ce n'est pas des tests validés par la communauté des psychologues. Okay. Et pourtant, ça permet aux gens d'obtenir du travail. Oui, donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas validé qu'il n'a pas un sens. Voilà, qu'il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut qu'il passe entre, je ne sais pas, les grilles de la validation, et puis maintenant, ça peut être accepté. Mm-hmm. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, le psychologue, c'est ça. Donc, il travaille avec l'entretien, les tests, l'observation, et puis il fait aussi des mesures. D'accord. Donc, ça aussi, c'est encore les tests qui permettent de faire ça. Mm-hmm. Maintenant, le psychiatre, et je précise que le psychologue n'a pas le droit de prescrire un médicament. Mm-hmm. Il d'accord. ne fait pas de prescription médicale, c'est interdit. Ça, d'accord. je le dis. Ça, on le tient. Voilà. Donc, seul le psychiatre est mm-hmm. autorisé à prescrire des médicaments par lui, les médecins. D'accord. Donc, lui, les médecins, il a fait des études de médecine ici, il s'est spécialisé en psychiatrie. En psychiatrie. C'est d'accord. différent. Lui, il a le droit de prescrire. Ça veut dire que si moi, en tant que psychologue, je pense que j'ai un patient ou un client qui a besoin peut-être de prendre quelque chose qui va aider dans sa dépression. Voilà, dans ce que moi je suis en train de traiter, mm-hmm. je l'envoie vers un psychiatre. D'accord. Et c'est le psychiatre qui va juger maintenant, ok, quel médicament on peut lui donner, quelle est la dose, etc. etc. Donc, mm-hmm. le psychiatre, c'est vraiment un médecin. Donc, vous voyez que déjà, le psychologue. La nuance est bien établie. Voilà. D'accord. Mm-hmm. Vous avez maintenant le psychanalyste. Mm-hmm. Le psychanalyste, lui, il n'est pas forcément psychologue. Le psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait une formation en psychanalyse. Et la psychanalyse, il y a... De Freud. Voilà. Freud. Non, il y a, voilà, il y a... L'école freudienne, c'est l'une des écoles, yes. mais il y en a plusieurs. Yes. D'accord. Donc, aujourd'hui, un journaliste
peut se lever, aller faire une formation en psychanalyse. Mais en ce moment, il sera diplômé selon une école de psychanalyse bien donnée et précise. D'accord. Donc, et lui aussi, ça veut dire que sa manière d'intervenir avec les gens, ce serait selon cette école-là. D'accord. Et chaque psychanalyste doit dire de quelle école il est. Ok. Il n'y a pas de psychanalyste généraliste, ça n'existe pas. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de psychanalyste. Contrairement au médecin. Oui, tu peux mettre. Voilà, le psychanalyste, non. Ce soit l'école freudienne, soit c'est l'école de Lacan, soit c'est les écoles psychanalytiques américaines, etc. D'accord. Mais c'est par exemple l'école ericksonienne qui pratique l'hypnose, là, etc. Donc, ça dit, ça doit être selon une. Ou encore l'école fénonienne. Donc, ça, c'est le psychanalyste. D'accord. Donc, lui, il a un diplôme ou un certificat, et là aussi. Là-bas, il n'y a pas d'ordre. Parce que moi, je peux exercer en tant que psychanalyste au Burkina. Il n'y a pas d'ordre de psychanalyste. D'accord. C'est-à-dire que je relève de l'école qui m'a formé. C'est eux qui sont censés me contrôler. C'est donc tout. Voilà la différence avec l'ordre des psychologues. D'accord. Le dernier, c'est le psychothérapeute. Oui. Le psychothérapeute, en fait, il faut faire la différence entre la psychothérapie et la chimiothérapie. Mm-hmm. La chimiothérapie. Thérapie. D'accord. Le psychiatre, lui, c'est un chimiothérapeute. Okay. Parce que lui, il peut utiliser des substances. Mm-hmm. Il peut utiliser des médicaments. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il peut utiliser un procédé chimique. Pour soigner un patient. Donc, tous ceux qui n'ont pas le droit, comme le psychiatre, de faire ça, tombent dans la grande famille des psychothérapeutes. D'accord. Notamment le psychologue lui-même. Mm. Ok. Le psychanalyste. Ceux qui font, je ne sais pas, la prière, par exemple, si vous partez chez un pasteur, s'il fait que prière la prière, de diligence. C'est un psychothérapeute. Ok. Quelqu'un peut dire, oui, moi, je soigne avec de l'eau, je m'assois, je prends de l'eau, j'asperge comme ça, et puis il fait, c'est un psychothérapeute. Donc, ça veut dire que tant que vous n'utilisez pas des substances que les gens sont obligés d'avaler, vous êtes dans la grande famille des psychothérapeutes. Maintenant, comme c'est une famille fourre-tout, il y a des pays qui l'ont organisé en ordre. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous venez, je prends par exemple le cas du Canada, c'est organisé en ordre. Si vous dites vous êtes psychothérapeute, on dit ok, de quelle branche de psychothérapie ou quelle est votre méthode, et vous devez vous faire immatriculer. Mais il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que le psychothérapeute, il peut être. Maintenant, freelance. Voilà. Mais si vous dites que je suis psychothérapeute, mais que je suis psychologue, on vous dit, allez-y voir l'ordre des psychologues. Voilà la différence. D'accord. Alors, c'est bien clair. Merci beaucoup pour tous ces enseignements. En tout cas, on a beaucoup appris sur ces différentes notions. Donc, nous allons vous permettre, docteur, de prendre une gorgée de notre eau minérale qui vous est servie sur ce plateau de la Pérou de Genève. Et vous permettre de découvrir le contenu de la première rubrique à cette émission, l'eau de la cité avec Zia Diarra. Et c'est maintenant, et on revient avec vous pour la suite. Alors, Jackie, je le disais tantôt en introduction, hein, les machines à sous font l'objet de nombreux attractions. Auprès de nombreux jeunes justement et qui vont justement pour le plaisir et d'autres également ils vont pour se faire de l'argent. Mm-hmm. Alors il faut dire que c'est un phénomène qui prend assez de l'ampleur hein, et on a comme l'impression que c'est un réseau qui est installé ou qui se charge d'importer donc ces machines là qui va en tout cas se charger de les déposer auprès donc de certains riverains qui donc se chargent donc de les gérer mais également de les surveiller. Alors il faut dire que beaucoup de jeunes y vont dedans et même ce qui est déplorable, on y voit également des adolescents, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge encore de la majorité. Alors, c'est pas du tout intéressant. Et le principe est clair. Avec une pièce de 100 francs, bon, tu mets, tu tapes une combinaison, on va demander à la rédaction de montrer un peu l'image, tu tapes une combinaison et voilà, et de l'argent vient. Et malheureusement, c'est une situation également qui rend accro certains jeunes, mais également qui crée une certaine dépendance. Travaille justement à les rendre encore plus pauvres. Et les petits jetons, on va le dire ainsi qu'ils ont généralement, voilà, la plupart de ces jetons-là sont donc utilisés là-bas. Et surtout, on sait que ce n'est pas quelque chose qui peut leur donner de la fortune. Et ce qui est ici aussi difficile également, c'est que les promoteurs-là, ils pratiquent ce jeu-là.
et sans pour autant avoir l'autorisation. Parce qu'il y a une loi qui réglemente cela pour donc installer les jeux de hasard. Est-ce qu'on pourrait voir les images de ce dont vous parlez, M. Zidara? On va voir avec la réalisation. Merci beaucoup. Alors, il faut dire qu'il y a des normes également pour mener donc, de telles activités parce que les machines donc, doivent se conformer donc, aux lois en vigueur. C'est dit donc, effectivement qu'ils devront justement avoir obtenu donc, des accréditations. Jackie, voilà un peu l'image. Ça, c'est dans la nuit où des jeunes, justement, et, dans le quartier, je vais citer le nom, Dikofé, en tout cas, se donne donc, à ces pratiques-là. Donc, Jackie, je l'ai dit. C'est très populaire. Très, très populaire. Alors, c'est dire, effectivement, ici que ces promoteurs-là devront donc, justement, obtenir donc, les accréditations nécessaires hein, et, voilà, pour pouvoir donc, pratiquer ce jeu. Il faut dire, dans notre pays, là, la pratique donc, des jeux du hasard est conditionnée par l'obtention donc, d'une autorisation express hein, du ministère donc, en charge donc, des finances. C'est dire, Jackie, donc, que les contrevenants ont aux dispositions donc, de la réglementation hein, sur les jeux du hasard donc, en cours des sanctions. Alors, pour les promoteurs, Jackie, il faut qu'ils sachent effectivement que cette activité est encadrée par le décret portant organisation des jeux du hasard du 8 mai 2008. D'accord. Donc, le décret est là, la loi est là. Donc, c'est tout simplement le laisser demander à ces promoteurs-là d'être donc en phase avec les règles. Et il faut également éviter hein, et de que les adolescents également fréquentent ces lieux-là. Et une chose également, il faut dire que ceux qui ne sont pas en règle, ça veut dire également qu'ils échappent au fisc. Je ne suis pas un agent des impôts, mais je sais également que bah, bon, il y a de quoi également se frotter les mains si ces jeunes-là et ces gens-là pas donc déclarer quelque part. Et c'est important donc, de mettre la puce à l'oreille des agents des impôts de l'impôt et ouais. Sans doute faire une descente quelque part. Voilà, mais on s'appuie les caisses de l'État. Voilà, mais on salue également l'initiative donc, de quelques autorités municipales et des maires. Et il y a des maires des arrondissements qui font souvent des descentes. Je crois que l'arrondissement numéro 10 également qui font des descentes pour aller et récupérer. Parce qu'il y a des gens qui se disent avoir des autorisations. Pourtant, non, ils n'ont pas l'autorisation voilà, d'exercer. Pour avoir l'autorisation, il y a des procédures. Je pense que la mairie ne peut donner des autorisations si ça ne passe pas au niveau donc, du ministère donc, des Finances. Donc je pense qu'il faut que les gens et les autres donc, soient conformes avec la réglementation en vigueur. Sinon, ben, écoutez, voilà les sanctions. D'accord. Alors, Jackie, voilà un peu ce que le LASTI justement avait à montrer aux téléspectateurs également, mais également demander aux autorités d'ouvrir le bon œil. Merci beaucoup, Zidara, pour cette rubrique. Réaction donc avec le docteur, mais seulement je vais vous demander, est-ce que vous aimez jouer? Non, moi je ne joue jamais. Vous jouez jamais? À l'enfance aussi, vous n'avez pas joué? Non, ben, si on ne parle pas des jeux de hasard, moi ce que je dis, c'est les jeux de hasard. C'est des trucs que j'ai proscrits. Ok. Voilà, parce qu'il y a certaines choses, je pense que lorsque vous êtes dedans, ça vous détruit plus que ça ne vous construit. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est des jeux de hasard, moi je ne joue pas. Et tout ce qui doit détruire, vous n'êtes pas dedans. Non. Donc, on ne joue pas dans les mauvais rêves. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'il dit, c'est tout à fait, vraiment, c'est un phénomène qui est là. Mais moi je pense que ce n'est pas seulement les jeux de hasard, parce que quand vous regardez, nous en psychologie, ça c'est les addictions. C'est-à-dire les gens sont dans des trucs qui, en fait, chaque jour, ils ont besoin de façon rituelle d'aller faire ça. Parfois, il y en a un peu, voilà, il y en a un, ils ont même dépendance. Voilà, les courses de chevaux, parfois, il y en a, ils n'ont même pas l'argent, mais ils tournent autour des kiosques, de tout, pour pouvoir, juste, ils prennent des combinaisons qu'ils font parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils se sont tellement appauvris. Et ça, je pense qu'il y a matière à réflexion par rapport à un certain nombre d'addictions que nous avons, qui ne sont pas seulement les jeux, mais ça aussi, c'est vraiment très important parce que les gens perdent de l'argent. Parce que je sais que dans les machines à sous, les gens perdent, par exemple, peuvent perdre une fortune en une soirée. Il y a, quand on prenait les courses de chevaux, nous prenons même l'alcool. Même ça, parce que regardez le couvre-feu que nous avons actuellement, qu'est-ce qui peut permettre aux gens? On a dit, voyez, les gens peuvent aller travailler. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut aller travailler. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est parce qu'à partir de, je sais pas, 17h, 18h, c'est l'apéro, il faut aller se distraire. C'est ça qui pèse sur les gens. Vous voyez que les gens n'ont pas dit non, le temps de travail. Ça n'impacte pas le temps de travail. On devrait pourtant être content de dire, ok, ça nous permet d'aller travailler. Voilà, ça c'est d'abord très important. Maintenant, mais vous voyez que, parce que les gens sont dans des addictions. Et quand il y a des addictions même de comportement.
juste sortir, aller s'asseoir quelque part, c'est à dire. Il y a des gens, ils ont des quijés, comme on dit, des grains là. Le jour qui n'est pas passé au quijé, c'est lourd. Voilà, il y a le casque. Vous avez un exemple. Monsieur le casque. Qui ça? Toi, tu voyages pour aller dans le même kiosque quand tu avais 15 ans. C'est toujours le même kiosque dans le kiosque. Oui, mais moi, c'est parce qu'il y a. Y a c'est une addiction, c'est voilà, comme une drogue. C'est vrai, il y a la famille qui le retrouve, il y a des amis, les parents. C'est ça. Voilà. On a des excuses. Hein. Effectivement, mais il y a des habitudes qui sont sans risque. Il y a des habitudes qui ne détruisent pas. D'accord. Le fait d'aller prendre du thé avec des amis, etc., oui. Parfois, c'est inoffensif. Voilà. Au contraire, ça me permet même de mieux sociabiliser, et puis parfois c'est les lieux même d'information. Parce que moi, justement, quand j'y vais, c'est pour pouvoir m'informer, être au courant de tout ce qui se passe dans le quartier. Ça permet aux gens de se, comment on appelle ça, de resserrer les liens. D'accord. Mm-hmm. Mais généralement, dans les débits de boissons, bon, c'est des liens autour de la bouteille. C'est ça. Voilà, mais le jour que vous n'avez pas l'argent pour venir là-bas, bon, les autres, ils s'en fichent, hein, ça veut dire que, ouais, que vous êtes malade, quoi, quoi, et ils vont continuer, en fait, l'activité continue. Pourtant, dans un grain, il y a une certaine solidarité. Alors, c'est pour dire que bon, les addictions, c'est vraiment un phénomène social qu'il faut voir. Peut-être bon, ça doit interpeller aussi nos autorités. Mmh. Quoi. Merci beaucoup, docteur, pour votre contribution. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de cet entretien, qui, d'ailleurs, est attendue par plusieurs téléspectateurs en ce moment. On parle de pandémie de coronavirus qui a des répercussions sanitaires, politiques, économiques, mais aura aussi à terme des conséquences d'ordre psychologique pour les soignants épuisés, pour les malades isolés et pour la population confinée en ce moment. Entre angoisse, anxiété de sommeil et de manque d'appétit, la peur au ventre, il nous faut donc venir en aide aux soignants qui sont au bord du burn-out. Docteur, voici une situation qui est présente et bien réelle. Vous, en tant que psychologue, comment est-ce que vous gérez les populations en ce temps de crise sanitaire? Bon, comme je le disais en début d'émission, j'ai dit, jusqu'à présent, je peux dire que c'est le premier plateau télévisé que je me présente en tant que psychologue. Parce que ce matin, je suivais, je pense, le point de presse du gouvernement et puis, je pense, le comité de crise là, du professeur Martial Ouedraogo, je pense. Et j'ai vu que le ministre Al-Kassoum Maïga a dit que, voilà, le professeur, il y a un comité de socio-anthropologues qui sera mis en place, etc., pour pouvoir vraiment aussi canaliser un peu les habitudes et puis les comportements des gens. Et je... En tout cas, pour ce que j'ai suivi, si j'ai bien compris, on ne parle pas de psychologue. Ça, c'est un. De deux, le professeur Martial lui-même, ça veut dire dans son équipe, je ne sais pas, peut-être que je suis pas, j'ai pas l'information, il n'y a pas de psychologue. Ça veut dire que... Vous le dites avec beaucoup de réserve, vous le dites avec... Oui, je le dis avec beaucoup de réserve parce que comme je ne connais pas la composition de l'équipe. D'accord. Voilà. Donc, et il y a un certain nombre de comités d'urgence, de crise, etc., qui sont mis en place où... Je n'ai pas encore vu, en tout cas, de psychologues qu'on a joint. Pourtant, on parle de psychose. Vous dites que les gens ont peur. Quels sont ceux qui sont les spécialistes de la peur? Parce que c'est une émotion, la peur. C'est qui gère? Ce n'est pas le sociologue qui gère la peur. Ce n'est pas le médecin qui gère la peur. Ni l'anthropologue. C'est le psychologue. Parce que la peur, elle est individuelle avant d'être collective. C'est ça. Donc, et vous avez la chance que la psychologie n'est pas une science qui s'occupe de l'individu seulement. La collectivité, parce que nous avons la psychologie sociale. Ouais. La psychologie sociale, c'est cette discipline-là qui fait le pont entre la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. Qui fait que les psychologues sociaux, c'est eux qui sont capables d'analyser un phénomène à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et à l'échelle collective. Nous sommes la seule discipline qui peut faire ce pont-là. Le sociologue, tout ce que le sociologue fait, le psychologue peut le faire. Ça, je le dis avec... Avec assurance. Mais tout ce que le psychologue fait, le sociologue ne peut pas le faire. Il ne peut pas prescrire des médicaments. Oui. Donc, ça peut, c'est pour dire que j'interpelle, en tout cas, je me dis, si ce n'est pas fait, de penser à joindre les psychologues aux différentes équipes. D'accord. Voilà. Et on a de la compétence. D'accord.
Alors, Sandrine Konaté. Moi, ma question, ce n'est pas vraiment en rapport avec la pandémie que nous vivons actuellement, mais de façon générale. On sait que dans d'autres contrées, voir le psychologue, les gens ont compris que voir le psychologue est tout aussi important que consulter un spécialiste ORL, que consulter un médecin généraliste. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Alors, dans la vie de tous les jours, à quel moment est-ce qu'on doit consulter un psychologue? Quels sont les signes? Quels sont les symptômes et aussi les éléments qui doivent nous amener à dire que j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille voir un psychologue dans la vie de tous les jours? Ben, merci beaucoup en fait de poser la question. La question est très pertinente. Okay. Parce qu'effectivement, parfois les gens ne savent pas peut-être qu'ils ont besoin d'aller consulter. Exactement. Donc, nous vivions dans une société beaucoup communautaire où on avait des ressources à l'intérieur de la communauté qui faisaient que, bon, quand on a des difficultés, on a toujours cette possibilité-là d'avoir de l'aide. C'est ça. Mais de plus en plus, notre société évolue. Okay. Vous voyez que parfois même, bon, vous voulez parler d'un problème à un ami, parfois ils n'ont pas le temps. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'aide communautaire est en train de s'effriter avec le temps. Mm-hmm. Et c'est une réalité parce que notre monde change. Mm-hmm. Vous, en tant qu'individu, quand est-ce que vous pensez que vous avez besoin des psychologues? Tout à fait. Premièrement, si vous pensez que ce que vous avez comme difficulté à confier et que dans votre environnement social, familial, etc., vous n'êtes pas sûr que le secret sera gardé. D'accord. Ça veut dire que le recours, c'est vers le psychologue. Mm-hmm. Ça, c'est de façon vraiment terre à terre. D'accord. Deuxièmement, quand est-ce que je peux dire que j'ai besoin d'un psychologue? Tout à fait. Quand vous allez consulter un médecin, le médecin suit la base de son diagnostic ou de ses examens, etc. Un moment va vous dire non, je pense qu'il faut que vous voyez un psychologue. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est une autre voie. Okay. Mais ça veut dire que même quand vous êtes venu voir un psychologue, le psychologue, en vous écoutant d'abord, je prends un exemple simple. Vous venez me voir, me dites, j'ai des insomnies. D'accord. Le psychologue ne se lève pas pour dire, ok, on va voir comment on va te... Non, on dit, va consulter à l'hôpital. Un médecin d'abord. Un médecin. Ok. Le médecin, voilà. Lui, maintenant, peut-être sur la base de ce que lui va faire, de son diagnostic, etc., il va faire un certain nombre d'examens. Après, il va dire, ok, je pense que tu dois avoir un psychologue. D'accord. Ils sont outillés, les médecins aussi, ils ont fait un peu de psychologie. Quand ils, voilà, donc, ils vont vous renvoyer vers un psychologue. D'accord. Ça, c'est un cas. Maintenant, supposons que vous n'êtes pas allé voir un psychologue, un médecin. Un médecin. Il y a des signes que chacun doit, en fait, observer. D'accord. Premier, je prends un exemple. Les symptômes. Voilà. Non, nous, on dit signes. Les parce signes, que quand on dit symptômes, c'est le mot. Une maladie. Voilà. Ok. Vous, d'habitude, vous dormez sans problème. À un moment, votre sommeil est perturbé. C'est vrai. Vous faites des insomnies, ça ne s'explique pas. Vous pouvez consulter. D'accord. Votre appétit a changé. Pourtant, vous êtes quelqu'un, vraiment, vous aimez la bonne bouffe. Quand j'attrape le taux, là. Exact. au niveau de l'intimité, de la sexualité, vous étiez quelqu'un bon au niveau de votre sexualité. Voilà, c'est harmonieux. Tout va bien. Voilà, vous sentez au niveau de la libido, soit un manque de désir, etc. C'est-à-dire, c'est les signes. Ok. Vous-même, vous sentez que vous vous mettez en retrait. D'accord. Par exemple, vous êtes quelqu'un, comme Jackie, par exemple, il va dans son grain. Qui s'ouvre. Mais à un moment, il n'a plus envie d'aller au grain. Oui, actuellement, oui. Non, bon, bien sûr. Il fallait consulter. Je suis en confinement. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est des signes. Okay. Si vous êtes irritable, par exemple, vous êtes quelqu'un d'habitude, vous êtes quelqu'un de calme, voilà. Mais à un moment, un rien vous met sur vos nerfs. C'est des signes. Comment on dit, non, il y a un changement. Avant, c'est des choses qui ne m'énervaient pas, mais aujourd'hui, ça m'énerve. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Je dois venir en consultation. Voilà. En donc, consultation. Ça, c'est autant de signes que vous pouvez, ça dit, c'est autant d'éléments, parce que votre organisme est très bien fait. D'accord. L'organisme ne tombe jamais malade sans envoyer des signaux. Des signaux, c'est vrai. Alors, voilà. Docteur, c'est vrai que nous sommes pénalisés par le temps, et pourtant nous devons parler également de choses qui intéressent beaucoup de personnes en ce moment, en ce temps de crise. Je me demande bien si nous allons avoir ce temps, donc, de pouvoir essayer d'aborder toutes ces préoccupations, mais nous allons quand même essayer, Alors, mais avant, on va souffler, parce qu'il y a une autre rubrique, et donc la rubrique c'est maintenant, et je pense que ça buzz, on va suivre et puis, avec Adèle Rwamba, maintenant.
Oui, tout à fait. Saveuse de ce vendredi, on va encore parler et parler encore du coronavirus qui est une réalité. Alors, vu sur Internet pour vous, respectez les consignes d'hygiène pour éviter la propagation du virus dans notre pays. Alors, voici encore un rappel, une énième fois, pour les consignes, un rappel des consignes d'hygiène. Alors, bien couvrir plutôt le nez pour vous moucher et jeter le mouchoir dans une poubelle fermée. Enfin, oui, voilà. Alors, donc, bien couvrir le nez, bien se laver régulièrement les mains avec du savon, du gel hydroalcoolique, ou de la cendre. Vous savez, il y a toujours des personnes qui cuisinent avec le feu de bois. Donc, récupérez cette cendre-là, lavez vos mains, ça désinfecte. Alors, évitez de vous serrer les mains. Hein, le bonjour, se serrer les mains, ça c'est fini pour le moment. On va attendre que Corona passe et puis on va reprendre nos vieilles habitudes. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Non, évitez de vous embrasser, évitez de vous serrer la main, gardez la distance de sécurité, je vais y arriver, je suis endormie ce matin, mais ça va aller. La distance de sécurité de 1 mètre, voilà, donc désinfectez-vous les mains, toussez et éternuez dans le creux de votre coude. Donc, enfin, portez un masque si vous remarquez que vous avez les symptômes du virus, c'est-à-dire plus de 37,5 de fièvre, une toux sèche ou grasse, des signes respiratoires de type sensation d'oppression, douleur thoracique, frissons, courbatures, fatigue inhabituelle, des maux de tête, etc. Donc, n'hésitez pas à composer le 35-35 qui est un numéro vert et gratuit. Quelqu'un sera au bout du fil et la personne va mieux vous guider. Et si c'est nécessaire, on viendra vous consulter ou vous chercher à la maison. Surtout, ne sortez pas. Faites de l'autoconfinement et restez chez vous. Restez chez vous pour vous protéger et surtout protéger les autres. Alors, la vidéo qui va suivre vous montre que même à l'église, hein, maintenant, les gens ont peur du coronavirus. Hein, si la régie veut bien. Alors, c'est une petite église avec un pasteur. Et à un moment donné, le pasteur donne la parole à un des fidèles. Le fidèle éternue. En plus de ça, il précise qu'il revient de la Chine. Donc, regardez. Hallelujah! Hallelujah! I want to thank God for Johnny Messi. Sorry. I just came back from China. Jesus! Hey! Pastor! Tout le monde a peur de la mort, même les pasteurs. Restez chez vous. Alors, ce n'est pas le moment de se réunir, de se regrouper. Vous savez que les églises et les mosquées ont pris une décision pour rester prier. Chaque fidèle doit rester prier chez lui, tranquillement. Si vous restez aussi chez vous, vous savez, Dieu, il est partout. Donc, il vous entendra. Donc, restez chez vous pour vous protéger et protéger les autres. Voilà. Merci beaucoup, Adèle, pour... Ça baisse, moi la vidéo. Non, je pense que c'est très bien d'ailleurs cette vidéo-là, parce qu'en réalité, ça, c'est dans l'humour qu'on donne des informations. C'est tout effectivement fait. Ici que les regroupements sont interdits. Tout même des gens qui ont des séances de prière, je pense que dans l'arrondissement numéro 5, il y avait des gens qui se réunissaient pour justement faire des petites prières encore là. Oui. Et des gens qui commençaient qui voulaient insister, c'est pas du tout intéressant. Mm-hmm. Dans cette vidéo-là, l'air comique, mais voilà. Je pense que c'est une très belle information. Le message est passé. Faut pas se regrouper. Alors, docteur, on poursuit avec vous à présent. Alors, à quoi consistent véritablement les premiers secours psychologiques? Et c'est pour qui? Quand? Ok. Ben, en temps de crise sanitaire, voilà. Comme celle que nous vivons en ce moment. Ça veut dire que la crise, que ce soit les épidémies, ça peut être des catastrophes, hein, le moment où on a eu les inondations ici, voilà, ça peut être pendant l'insécurité, on peut avoir des attaques, etc. Donc, c'est des situations d'urgence. Donc, ça peut être des situations où les gens vont paniquer. Et pourtant, dans la panique, on va plus se faire du mal que l'objet même de la peur. Ça veut dire que... La panique même est plus dangereuse que la pathologie. Exact. Donc, sur beaucoup de plans.
Okay. Voilà. Parce que même sur le plan immunitaire, mm-hmm. quelqu'un qui a peur, il est faible sur le plan immunitaire. Mm-hmm. Les médecins vous le confirment, mm-hmm. les psychosomaticiens vous le confirment. C'est-à-dire quelqu'un qui est paniqué, qui a peur, est déjà fragilisé de l'intérieur. Fébrile. Donc n'importe quelle maladie peut te, mm-hmm. voilà, t'atteindre. Donc il y a ça. Et il y a le fait que, comme c'est une situation de peur généralisée, comme on dit, les gens sont en perte de repère. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, les premiers secours psychologiques vont consister à stabiliser les gens. Mm-hmm. D'abord, à stabiliser les gens et à se faire une idée de la situation de façon calme. C'est-à-dire dire, OK, nous sommes dans telle situation, voilà. Parce que d'abord, de prendre la mesure de la situation. Parce que dans la panique, on ne peut pas. Donc, ça consiste à stabiliser, calmer les gens, les écouter par rapport à leurs inquiétudes. Parce que quand je prends le cas actuel du Burkina Faso, les gens ont besoin de se prononcer. Les gens ont besoin, par exemple, de parler. Voilà. Parce qu'il y a un certain nombre de questions peut-être que les gens se posent. Ils n'ont pas de réponse. Donc, parfois, juste l'information peut faire dissiper la peur. Mm-hmm. Mais ça demande que la personne soit écoutée. Mm-hmm. Voilà. Que la personne soit écoutée et que, par rapport à l'écoute, la personne maintenant a dit, OK, bon, j'avais pas peut-être compris ça comme ça, et ça rassure la personne. Ouais. Une fois que la personne est rassurée, en ce moment, on peut tout faire. On peut mettre en place toutes les mesures possibles. Donc, quand je vois qu'on a le numéro d'appel 3535, ben, comme il dit, il aurait fallu qu'on ait un numéro où aussi les gens peuvent appeler juste pour qu'on les écoute. Oui, avec des psychologues. Oui, tout à fait. Il aurait fallu ça. Mm-hmm. Et puis bon, ça dit, les gens appellent pour dire oui, moi j'ai peur. Mm-hmm. Voilà. Et c'est normal d'avoir peur. Mm-hmm. Mais ce qui est bien dans la peur, c'est que quand on peut l'exprimer, mm-hmm. on diminue l'intensité de la peur. C'est ça. Voilà. Mais quand je ne peux pas l'exprimer, ben, je me dis même que en fait, la chose est en train de prendre de l'ampleur. Donc mm-hmm. ça fait que je peux faire des dégâts avec ça. Donc c'est pour cela qu'il faut des centres d'écoute. Mm-hmm. Pas pour dire non, moi je suis malade, non. Mm-hmm. Juste pour que les gens puissent exprimer mm-hmm. le trop plein d'émotions. Ce qu'ils ressentent en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment. Ce qu'ils vivent, voilà. Voilà, mon voisin a été identifié, infecté, COVID, par le COVID-19. Exactement. Et moi, depuis hier, j'ai de la fièvre, je ne comprends rien. Voilà. Pourtant, habituellement, cette période, tu as même cette même fièvre. Mais cette fois-ci, tu te demandes, est-ce que tu n'es pas infecté. C'est pas infecté. Donc, je pense, hier, j'étais à la radio, et puis il y a une auditrice qui a appelé, dit non, ok. Parce qu'elle avait la gorge qui grattait, donc la nuit, elle a paniqué. Pour elle, non, c'est la toux du corona qui a commencé. Donc voilà, donc elle a passé toute la nuit dans la panique. Mm-hmm. Bon, vous voyez qu'il aurait fallu que on puisse juste la rassurer, dire non, un seul signe ne suffit pas pour dire mm-hmm. que tu as la maladie. Mm-hmm. Les médecins sont clairs, c'est un nombre de signes qu'il faut avoir sur un temps. Mm-hmm. Voilà, donc quand même, je veux dire, les premiers secours, c'est ça. Mm-hmm. C'est pour toute personne qui se sent en danger, qui ne se sent pas rassuré, mm-hmm. qui a besoin qu'on la stabilise, la rassure mm-hmm. et qu'on puisse maintenant commencer à solutionner son problème. Mm-hmm. Parce que dans ça aussi, il y a des gens qui peuvent avoir peur, qui mm-hmm. peuvent avoir la maladie. C'est ça. Ah, oui, parce qu'ils peuvent avoir peur, mais ils peuvent aussi avoir la maladie. Mais mm-hmm. déjà, vous voyez que quand vous le stabilisez, il est prédisposé. Voilà, il est prédisposé à aller vers maintenant la prise en charge. Sinon, ça devient un agent qui va propager la maladie. Puisqu'il a peur d'aller se faire prendre en charge. Voilà. Ils peuvent aussi avoir peur, avoir les signes psychologiquement et ne même pas avoir la maladie. Oui, oui, effectivement, parce que, comme on dit, il y a le mental. Il y a l'effet, il y a le somatique. Vous savez, tout ce que l'esprit fait là, mm-hmm. il peut l'imprimer dans le corps. Tout à fait. Exactement. Il faut que les gens comprennent c'est ça. Vrai. Et il y a un lien très serré entre notre esprit et notre corps. Notre corps. C'est vrai. Notre santé là, elle n'est pas physique, elle est d'abord mentale. C'est ça. Si vous pensez que vous êtes malade là, vous pouvez développer. Il y a des femmes par exemple qui ont tellement envie d'avoir un enfant. Mm-hmm. Qu'à un moment, elle développe tous les signes d'une grossesse. C'est psychosomatique. Comment oui, aller faire des tests. Les tests nous disent que oui, elle a fait, elle a une grossesse de un mois. Oui, pourtant, il n'en est rien. Il n'en est rien. Avec le temps, ça va évoluer. Et puis, bon, comme il n'y a pas de grossesse, effectivement, les signes vont retomber. Le texte. Les tests, là, c'est quoi? C'est des hormones. Tout à fait. C'est des hormones que ça détecte. Maintenant, si elle a le désir de tellement avoir un enfant, et ses glandes commencent à sécréter des hormones de la grossesse. Mais, docteur, pourquoi est-ce que au niveau de la psychologie, vous n'arrivez pas à expliquer ce cas-là? Pour ceux qui vivent des moments très difficiles, par exemple, la galère
conjuguée, jumelée à la psychose. Pourquoi est-ce que je ne peux pas imaginer que je suis un millionnaire et puis en réalité, je suis un millionnaire. Parler sérieusement et revenir sur le cas de la grossesse, il y a aussi des femmes qui font des reniers de grossesse, c'est-à-dire elles sont enceintes, elles refusent qu'elles soient enceintes et elles ont le ventre plat jusqu'au jour de l'accouchement. Ah oui. D'accord. Merci pour l'information. Répondez à ma question, s'il vous plaît, docteur. Comment est-ce que ça se fait? Parce que moi, il y a des moments, j'ai pensé que j'ai beaucoup d'argent. Parce que j'en ai tellement besoin. Dans ta tête. Dans ma tête. Et ça ne se reflète pas dans ma poche. En fait, il y a le volet coaching dans, le psycholo- dans la psychologie. On ne va pas toujours voir le psychologue parce que ça ne va pas. On peut aller voir le psychologue parce qu'on veut donner notre tournant à notre vie. Tout à fait. Voilà. Bon, quelqu'un, par exemple, il veut, par exemple, soit changer de métier, ou il veut se lancer dans des affaires, ou il veut, par exemple, se lancer en politique. Il peut voir un psychologue qui va le coacher. Tout psychologue est un coach. Tout coach n'est pas psychologue. C'est ça. Et je le répète, tout psychologue est un coach. Tout coach n'est pas psychologue. Voilà. Donc, en ce moment, on peut vous amener vers là où vous voulez. C'est une question d'objectif. Je vais être député. On se fait un objectif. On se donne un temps. On travaille sur ça. Et je trouve dommage, je l'ai toujours dit, que les politiciens, par exemple, ne recourent pas aux psychologues. C'est dommage. Oui, parce que si vous avez un objectif, vous dites, non, moi, je veux être maire dans mon quartier. Je veux être conseiller communal. Je veux être député, etc. Il faut te faire coacher. C'est des sciences aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de s'asseoir, tomber dans la malhonnêteté, ou là donner des t-shirts aux gens, donner de l'argent. Non, ça c'est de la politique malsaine. Et ça ne vous amène nulle part, ça, vous ne pouvez même pas être productif pour votre ça va vous rattraper. Mais quelqu'un qui dit, ok, moi c'est parce que je veux, j'ai un projet de société. C'est ça. Et je veux être maire. Ça se construit. Tout à fait. Et ce politicien, vous allez voir que quand il va arriver, il va être maire là. Il va faire du bon boulot. Il va travailler. Exactement. Moi, je veux être millionnaire. C'est on possible. Va se faire un bilan de compétences. Alors, c'est possible. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Je n'ai pas l'argent quand je pense que j'ai beaucoup d'argent. Je reprends encore à ça. La question d'argent, elle est très simple. Les gens veulent être riches, mais les gens ne veulent pas faire ce qui et l'effort qui est derrière la richesse. Voilà la différence. Comme on dit, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Donc, l'argent, la richesse, c'est une science exacte. Ah ouais. C'est une science exacte. Ça, je vous le dis aujourd'hui, je ne parle pas de l'argent malhonnête. Je ne parle pas de ceux qui détournent pas les deniers publics. Je ne parle pas de ça. Quelqu'un qui veut être riche, c'est une science exacte. Alors, voilà. Il y a un mental par rapport à ça, il y a un comportement par rapport à ça, il y a des buts qu'il faut se fixer. Exactement. Parce que quand vous dites que vous voulez être riche là, c'est selon quelle voie? Oui. D'abord par le travail, et puis en plus de ça, ne pas gaspiller l'argent, le peu que je gagne, avoir l'esprit donc d'économiser, et puis également ne pas me jeter dans les dépenses inutiles par moment, et puis aussi souvent ne pas trop donner, quoi, parce qu'il y a beaucoup qui gravitent autour de toi, qui veulent toujours arracher, notamment les Adèle, les Sandrine, et puis les Mika, elles sont toujours en train de t'arracher des petits trucs. Bon, en réalité, quand tu fais le point, tu te rends compte que bon, si tu cumulais tout ça, ça te fait quelque chose de. Ça te construit un immeuble. Non, mais ça dit, il y a un prix à payer pour être riche. Oui. Ça veut dire qu'il faut construire la richesse. À un moment, la richesse, ça veut dire que. Vous savez, les gens travaillent aujourd'hui pour l'argent. C'est pas faux. Pourtant, l'argent doit travailler pour vous. Tout à fait. Ah, d'accord. Ah oui. Est-ce que vous avez un système de telle sorte que le système produit sans, pendant que vous dormez? Ouais. Non. Le riche, aujourd'hui, c'est ça. Il n'a pas besoin de se lever à 7 heures pour aller au. Non, parce que lui, il a un système. La mise en place, c'est un système qui roule. Et il y a de l'argent qui tombe pratiquement chaque seconde parce qu'il a mis en place un système. Exactement. D'accord. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fabrique les distributeurs automatiques, que vous mettez, vous louez avec les banques là. C'est de l'argent, ça produit de l'argent. Vous avez juste à faire une petite maintenance. Ceux qui font les cartes de crédit, les cartes magnétiques, c'est la même chose. C'est un système qui produit. Les gens ne pensent pas
à un système qui produit de l'argent pendant qu'à un moment, c'est-à-dire à un moment, je mets de l'effort, je me mets à fond dedans à 100%, mais à un moment, quand le système est pris, est sur orbite là, ça produit. C'est ce que nous avons fait ici à l'apéro de Genève, et nous sommes sûrs que l'argent va venir très bientôt, et nous sommes sûrs que nous serons les riches de ces pays très bientôt, parce que c'est l'homme qui fait l'homme, parce que ceux qui sont riches sont en train de nous écouter, et ils vont travailler à ce que nous puissions être également des éléments et puis des gens qui pourront être mettre en place des moteurs qui pourront faire sortir de l'argent. Nicolas nous rejoint docteur à présent pour le temps de jeu. Nous allons vous laisser en compagnie de cette ravissante et charmante demoiselle qui arrive. C'est une dame. Vous voyez quoi, mon avancé? Non, mais c'est dame. C'est le dame. Donc je le prends. Elle est dame depuis le temps. Donc je le prends. Alors, docteur, vous allez, on va vous laisser en compagnie de cette dame. Tu n'as plus la même énergie. Ouais, c'est bon. Alors, voici Nika, donc, docteur, elle va s'entretenir avec vous, c'est le temps de jeu. Vous comprenez que c'est ma soeur. C'est votre soeur. Eh bien, voilà. Comment vous avez su? C'est lui qui vient de dire. D'accord, je pensais qu'il avait des traits particuliers. Non. C'est une ancienne Drabo. Maintenant, elle est. Maintenant, elle est Doumbia. Elle est Doumbia. C'est une ancienne Drabo. Qu'elle n'est pas allée prendre du côté que vraiment, mais moi aussi elle est sauvée, elle est sauvée. Alors Mika, bienvenue, bon vendredi à toi. Merci. Joues avec le psychologue qui va te regarder dans les yeux. Attention, il risque de te détourner. Aujourd'hui, moi je supporte le docteur. Non, c'est pas 10 heures, hein. Il n'y a pas de soucis, ça marche. Mais avant, j'ai envie de dire un bonjour aux téléspectateurs et puis leur dire ceci: positivez, souriez, prenez vos précautions, parce que le Covid-19 est bien une réalité, mais aussi une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a des guérisons, guérisons encore et encore. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Donc prenez vos précautions, confiez-vous à Dieu. Tout va bien se passer. Vous allez voir que dans quelques mois, dans quelques temps, ça va être des souvenirs. Voilà, on va oublier. Alors, allons-y maintenant pour le temps de jeu avec notre invité. Donc, ça va se passer comme suit. C'est un quiz. Okay. Donc, il y a des choses que je vais dire qui peuvent être vraies comme fausses. Okay. Voilà, maintenant ce sera à vous de deviner. Et ça va être après 10 secondes. Chaque fois que je vais parler, vous allez devoir attendre 10 secondes avant de reprendre. Si vous reprenez avant les 10 secondes, vous perdez votre point. Okay, ça marche. Alors, on y va. Est-ce que je dis vrai quand je dis que le nom scientifique du figuier est Ficus carica? Parce qu'aujourd'hui, ça va être science nat et puis histoire. Voilà. Je pense que c'est vrai. C'est vrai? Oui. Non, vous n'avez pas bien pensé. Vous n'avez pas bien pensé parce que c'est Ficus carica. Ah. Et pas carica. Oh. Alors, Mika, oui. Un point. Oui, j'ai un point, Jackie. Et ça leur fait mal et elles m'applaudissent même pas. Regardez. Simplement, docteur n'a pas gagné. D'accord, alors on continue toujours avec des noms scientifiques. Adansonia digitata. Est-ce que c'est le nom du néré? Je suis sûre que Jackie a la réponse à cette question. Non. Non. Bravo, vous l'applaudissez, Bernard. Bravo. Ce n'est pas le nom du néré, c'est le nom du baobab. Digitata. C'est le nom botanique, le nom scientifique. Le nom scientifique. De cet arbre, de ce gros. On dit les Français disent gros arbre. D'accord. Exact. Gros arbre. Les mots aussi, plus pratiques. Les mots aussi, ça fait d'accord. Mais allez. Voilà, c'est ça. Gros arbre. Alors, on continue sur là. On continue, Jackie. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que la photographie a été inventée au XVIIe siècle, selon vous? Non. Vous avez 10 secondes pour répondre, docteur. Oui, je vous écoute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez dit non, vous revenez à oui. Non, bah, vous avez dit non, le 17e, oui. Je pense que c'est 1800. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est oui. Effectivement, c'est bravo, docteur. Vous avez bravo. Deux points, c'est ça. Pour Mika. C'est ça, et c'est vrai. Hein. Ouais. Il a une avance. Hein, tout sur à fait. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu dis ça, Jacques? Je suis sûr. D'accord, oui. On va voir. Alors, la femelle du buffle se nomme Bufflette. Est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Se nomme Bufflette, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? 10 secondes.
le féminin de Zike, c'est Zike. Bravo Mika. C'est Buflet, c'est pas Buflet. Tu vois que ce que j'ai... Les filles, c'est quoi? Pourquoi vous êtes figées comme ça? Ça vous fait non, mal. Les filles ne peuvent pas t'aimer aujourd'hui, Mika. J'avoue que mon français, c'est vraiment un français pour vous communiquer. Donc, voilà. Ouais, après, c'est fait un peu exprès. Je ne peux pas aller en psychologie, parce que là, je suis sûre de perdre. Voilà, tous mes points. Donc. Ah oui, c'est clair. Du coup, Alors, on continue. Le fondateur du Wassoulou était-il Samori Touré? Royaume du Wassoulou. Samori Touré, fondateur du royaume du Wassoulou. Oui, et ça vous fait, bravo. Ça fait 3 ans, d'accord. Mais j'allais vous préciser que le Wassoulou existe avant Samori Touré. D'accord. Oui, c'est une des formes. Parce que vous savez, notre histoire a été écrite par les colons. D'accord. Parce que le Wassoulou, il existait. Ah bon. Voilà, c'est comme le Massina, c'est les empires Peul. Le Wassoulou, le Massina, c'est les empires Peul. D'accord. Voilà, donc... Sogonamori Touré. Son vrai nom là, c'est Sogonamori Touré. Ah, c'est pas Samori. Ça a été déformé. D'accord, c'est la prononciation. Il a dit Samori, c'est plus simple à prononcer. C'est plus facile à prononcer pour lui. Voilà qu'on apprend. Oui, c'est ça. De vous faire des points, vous nous enseignez. C'est ça aussi l'objectif, Jackie. C'est ça aussi l'objectif. Alors, on y va et c'est la dernière question. Mais je suis que l'invité va être d'accord avec moi. Morna signifie le nom. Non, désir le nom d'une recette typiquement aussi. Non, les mots d'ordre. Tu as entendu Mornava? Je n'ai pas dit Mornava. J'ai dit Mornava. 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 Désir toi. Le nom d'une recette typiquement aussi. C'est non. Pourquoi c'est non? Je ne vous comprends pas. Pourquoi c'est non? Parce que c'est le nom de l'empereur de Monsieur. Voilà. Bravo. Parce que si l'histoire de Bukina, je suis quand même. Je suis passionné d'histoire. Surtout de l'histoire de mon pays. En fait, j'avoue que cette dernière question, c'était un peu plus. Pour piquer Adèle, voilà. Il faut préciser que le nouveau Nava qui est là, c'est le nouveau Nava Banga qui est là. Ah, c'est Banga. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ça, par contre, on est d'accord. On est sûr que ça, c'est vrai. Je vais on va rien dire. Je suis moitié Brava, moitié Bourroussi. D'accord. Toi, t'es sauvé. Elle a bien né. Bravo, démarrage, qu'on applaudisse tous les docteurs. Mika va applaudir pour le docteur. Après, vous allez applaudir entre vous là-bas. Ça ne nous regarde pas. Alors, merci beaucoup, Mika, docteur enfant. Donc, je suis face à face. Et bravo, docteur, pour le point. Merci pour la culture générale. Et nous allons donc rappeler le thème et puis ouvrir les téléphones et poursuivre. Allez. Oui, pour le thème de ce jour, c'est une question tout simplement. Quel est le meilleur compliment que vous avez jamais reçu? Que vous n'avez jamais reçu? Quel est le meilleur compliment que vous n'avez jamais reçu? D'accord. Vous nous appelez dès à présent. C'est le 25 31 83 53. D'accord. Alors, le téléphone il est ouvert, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Nous allons poursuivre le temps donc d'enregistrer le premier coup de fil. Alors, Adèle. Oui, alors docteur, d'aucuns disent que vous êtes le docteur des fous. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'un psychologue peut croire au mysticisme? Est-ce qu'un psychologue peut croire au mysticisme? Si oui, pourquoi? Puisque... Une question. La question vous amène? Non, non, non. Elle est très intéressante. D'accord. En fait, si je dois répondre en tant que psychologue... En tant que psychologue? C'est non. D'accord. Et si vous devez répondre en tant qu'Africain? En tant qu'Africain burkinabé, né dans la culture, comme on dit, grandi dans la culture, ça m'a dit vraiment fier d'être
très loin de moi aussi. Mm-hmm. Voilà, j'ai dit oui. Et le mysticisme n'est-il pas la manipulation de l'esprit? Si vous, en tant que psychologue, par exemple, mm-hmm. vous croyez au mysticisme, mm-hmm. je vais y arriver, mysticisme, donc vous croyez tout simplement à la manipulation mentale par des choses. Ils disent que c'est le mysticisme, c'est-à-dire c'est ceux qui croient, mm-hmm. Ça marche chez les personnes qui croient. Okay. Mais vous, en tant qu'Africain, si vous croyez, mm-hmm. et pourtant vous êtes psychologue, oui. comment expliquer cela? En fait, en réalité, c'est parce que la science a du retard sur la nature. D'accord. C'est ça la vérité. En fait, comme je l'ai dit, en tant que psychologue, mm-hmm. parfois nous, en tant que psychologue, on est confronté à certains cas où on est bloqué. Mm-hmm. On a deux au mieux. Mm-hmm. C'est-à-dire tu n'as aucune solution. Tu n'as aucun modèle mm-hmm. où tu peux, tu n'as aucun instrument que tu peux aller voir. D'accord. On prend quelqu'un en ligne avant de venir poursuivre avec vous, docteur. Allô, bonjour. Comment vous allez? Allô? Oui, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez couper le volume de votre... Je ne suis même pas au niveau de ma télé. Ah, d'accord. Okay. Alors, ça commence à être mieux. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On s'appelle comment? Yannick Bado. Yannick Bado nous appelle depuis quelle localité? Depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou. Bienvenue à l'apéro et bonne journée de vendredi. On vous écoute. Ok, d'abord, je vais dire bonjour à l'équipe de l'apéro. Merci. Mais bonjour, et surtout à toi, Jacques Fédon, qui est mon grand frère. Merci. Maintenant, je voulais d'abord réagir sur ce que le docteur a dit. La communication n'est pas trop... Allô? Oui, je disais que je voulais d'abord réagir sur ce que le docteur a dit. D'accord, réagis, oui. Voilà. Parce que là, on... D'accord, allez-y, monsieur Bado. Voilà. Donc, je dirais que c'était par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au fait qu'on puisse tomber enceinte de façon clinique sans pouvoir avoir une grossesse. D'accord. Voilà. Déjà, je voulais juste noter que une femme peut avoir un enfant qui ressemble typiquement à son voisin, tout simplement parce qu'elle aime les comportements de son voisin, elle apprécie son voisin, sans pourtant que le voisin l'ait touché, quoi. Mmh. Ah oui? Il y a besoin de faire un test d'ADN. D'accord. Et votre problème, votre préoccupation, c'est laquelle? Non, ce n'est pas une préoccupation. Je voulais juste essayer ce que le docteur a dit. D'accord. Quand il dit que non, c'est possible qu'une femme aille se considérer qu'on dit qu'elle est enceinte, pourtant elle ne l'est pas. D'accord. Tout simplement parce qu'elle a envie de tomber enceinte. Oui. Donc je dis que c'est possible qu'une femme puisse avoir un enfant qui ressemble typiquement à son voisin. Ah. Tout simplement parce qu'elle apprécie le voisin, elle aime le comportement du voisin, elle voulait peut-être que son mari se comporte exactement comme le voisin. Et l'enfant va aimer le voisin. Merci beaucoup Yannick, c'est pas faux, ça c'est vrai. Dans ce cas, monsieur Yannick Bado, dans ce cas, je pense qu'un test de paternité est recommandé dans ce genre de cas. Si votre enfant ressemble fortement à votre voisin, c'est pas parce que tout simplement madame ressent quelque chose de votre voisin. Docteur, est-ce que c'est pas faux? Il ressemble au voisin, tout simplement parce qu'elle aime le comportement du voisin. L'enfant ressemble au voisin parce que la femme, elle aime. Ça peut arriver. En fait, je pense que au niveau de tout ce qui est psychosomatique. La communication n'est pas du tout bonne. Oui, allez-y, docteur. Voilà. Il y a, parce que actuellement, les études sur la psychosomatique, bon, comme je dis, ça avance beaucoup. Et il y a les histoires d'impression, mm-hmm. d'impression d'image en termes de désir aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, mm-hmm. il faut comprendre une chose, en termes de rayonnement au niveau mental, là, mm-hmm. elle est très forte. Mm-hmm. Oui. Je pense une femme enceinte et puis une femme qui est dans cette période. Mm-hmm. Voilà, c'est quand c'est la période de menstruation. Mm-hmm. Voilà, la femme a une très forte puissance mentale. Mm-hmm. Donc, généralement, en termes de désir, mm-hmm. ça veut dire que ça peut être possible. Mm-hmm. Ça veut dire que ça peut être possible en mm-hmm. termes de vraiment... ça veut dire vraiment qu'il y a un fort désir. Mm-hmm.
Mais maintenant, je ne veux pas m'aventurer pour dire oui, c'est vrai, c'est possible. Mais je veux dire, c'est possible. Dans le cadre vraiment des études sur la psychosomatique, là, c'est possible. Mais pour vraiment me faire comprendre, je prends un exemple. Il y a eu, par exemple, c'est Freud qui a beaucoup travaillé sur ça. C'est ce qu'on appelait avant les hystéries de conversion. C'est-à-dire que quelqu'un est aveugle. On a vu ça avec des femmes. Elle est aveugle, mais quand on fait des examens ophtalmologiques, il n'y a aucun problème au niveau de l'œil, il n'y a aucun problème au niveau du nerf optique. Donc, elle, normalement, elle est censée voir. En fait, il y a eu un trauma au niveau mental qui a fermé son œil. C'est-à-dire, le trauma a un lien avec voir quelque chose. Tout à fait. Avec, il y a une scène qu'elle a vue, qui l'a tellement choquée, que le psychisme a décidé que, ok, pour que tu oublies ça, je vais fermer les yeux qui ont vu ça. Mais c'est de façon mentale, mais les médecins disent non, il n'y a pas de raison que tu ne vois pas. Et c'est une psychothérapie qui peut amener la personne à revoir. Donc, je parle vraiment, comme je dis, dans la grande famille des maladies psychosomatiques, là, ça c'est fréquent. C'est trop complexe, vraiment, ouais, tout ça. Alors, il faut prendre du temps avec docteur, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. On nous dit déjà qu'on est déjà à la fin de cette émission. Oui. Docteur, qu'est-ce qu'un autiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Docteur, est-ce qu'en 30 secondes, parce que là, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà. En fait, très rapidement, l'autiste, c'est quelqu'un qui, au niveau de la structuration de son cerveau, ne fonctionne pas comme nous. Parce qu'avant, on avait cru que l'autisme, c'était une maladie. Non. C'est-à-dire que le cerveau de la personne est structuré de telle sorte que la personne est très, très sensible sur certains plans. C'est-à-dire que le bruit qui est petit pour nous, c'est un bruit qui est très amplifié pour nous. Donc, vous allez voir les enfants autistes, quand ils font une crise, une musique comme ça, c'est très fort pour lui. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un collègue qui est vraiment spécialiste de l'autisme. Lui pourrait peut-être à une autre émission vraiment vous en parler vraiment plus en détail. Il y a une association d'autistes qui existe, des parents d'enfants autistes, où nous on intervient. D'accord. Voilà. Maintenant, l'autisme, c'est un enfant autiste, par exemple, il y a un suivi, il y a une éducation par rapport à ça. Ce n'est pas des enfants malades, ce n'est pas des enfants bêtes, non. Ça veut dire que c'est des enfants qui, au niveau cérébral, ils sont constitués autrement. Ça veut dire au niveau de la connexion, je pense, entre les deux hémisphères cérébraux. Oui, un peu comme, voilà, par exemple, quelqu'un qui est bougé aussi, c'est au niveau cérébral, il n'est pas normal. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission, on a beaucoup appris avec vous. Et je rappelle qu'on aura l'occasion donc de revenir parler avec vous sur un certain nombre de sujets. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, très riche, nous avons beaucoup appris. Et très court d'ailleurs. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. On va dire également merci à notre ami de Bobo Dulasso qui envoie un message pour toute la team, qui salue la team. Et je pense que son nom m'échappe déjà, mais bon, voilà, son nom c'est Jerry quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Alors voilà, Zoumi Gériel, voilà. Merci beaucoup pour le message, pour toute la team. Et merci de nous laisser filer la Bobo du Lasso. C'est ici que l'on s'arrête. Docteur, merci d'être venu. Alors la team, on va souhaiter un très bon week-end à nos amis. Un bon confinement. Restez chez vous. Surtout cet vendredi. Oui, restez chez vous. Lavez-vous les mains. Et surtout, évitez d'avoir trop peur. Ne faites que ça. Lavez-vous les mains.